Bonjour à tous, nous poursuivons notre étude biblique au sujet d'Élisée. Et prenons ensemble 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 23. Nous séparons ce chapitre en plusieurs extraits. Nous commençons avec le verset 1 jusqu'au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux et arriva au Jourdain et ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Ces quelques versets relatent un miracle survenu pendant qu'Élisée visiter une école de prophètes non loin du Jourdain, certainement à Jéricho. Il peut être rattaché au miracle du chapitre 4, donc le miracle des vases, celui de la naissance et de la résurrection du fils de la Tsunamite, celui de la farine dans le pot et de la multiplication des pains. Certains commentateurs pensent que notre récit se déroule après celui concernant Naaman, d'où sa place dans ce chapitre 6, sans toutefois en être certain. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que nous avons bien affaire à un miracle et nous avons développé ensemble cette idée. Les fils des prophètes veulent construire un nouveau lieu de réunion. Quand Élisée se déplaçait entre les écoles de prophètes, ceux-ci se réunissaient autour de lui pour recevoir son enseignement. Ici, nous constatons que le nombre de participants a augmenté. C'est une preuve de l'efficacité du ministère d'Élisée. Et deux explications sont possibles. La première est une augmentation pure et simple du nombre des élèves prophètes. Donc un aspect quantitatif. La seconde est une consécration plus grande de ceux qui se joignent davantage aux réunions. Donc plutôt un aspect qualitatif. En réalité, les deux aspects sont intimement liés. Puisque davantage d'élèves prophètes se réunissent, plus d'entre eux sont prêts à servir l'Éternel et à suivre Élisée, à suivre son enseignement. Et en même temps, plus certains veulent servir l'Éternel, plus leur nombre augmente. Nous voyons donc qu'Élisée, depuis des années, depuis le début de son ministère, a travaillé sans relâche pour changer la situation spirituelle en Israël. Il s'entoure ainsi de plus en plus d'hommes qui ont un cœur pour l'Éternel. En tant qu'Église, nous sommes aussi appelés à faire croître et la quantité et la qualité des disciples de Christ. Si Élisée a été le moteur de cette croissance, il n'a toutefois pas travaillé seul dans le royaume du Nord. Il dirigeait des fils des prophètes et les enseignait. Il avait des serviteurs élèves, comme Géasi par exemple, et nous verrons aujourd'hui qu'il aura un autre serviteur. Et il avait aussi des liens privilégiés avec des familles pieuses, donc qui contribuaient à la croissance spirituelle, à la restauration spirituelle dans le royaume du Nord. Un mot sur le lieu d'habitation. Il laisse penser que les élèves prophètes vivaient dans un même lieu.
Les mots hébreux traduisent plutôt une idée générale, un endroit, une salle. C'est littéralement un endroit où s'asseoir. Les éléments historiques révèlent que les élèves prophètes avaient leur propre foyer et nous l'avons vu dans le récit du miracle des vases. Mais ces élèves prophètes s'assemblaient autour d'un enseignant qui leur transmettrait la loi, etc. Cette fonction qu'occupaient les sacrificateurs et les lévites est ici remplacée par le prophète Élisée lui-même. Ainsi, lors de cette construction, son accord est demandé à Élisée pour la construction donc d'un nouveau local. Et lui-même se rend avec eux jusqu'au Jourdain. Il semble qu'on y trouvait près du fleuve du Jourdain à l'époque des arbres de différentes tailles utiles pour les bâtiments. Et c'est en voulant couper un de ces arbres qu'un des élèves va faire tomber le fer de sa hache dans l'eau. Mais immédiatement, une question viendrait à notre esprit. Mais pourquoi ne fouille-t-il pas l'eau? Pourquoi n'y entre-t-il pas pour récupérer simplement le fer? Les eaux du Jourdain peuvent être tumultueuses et dangereuses à certains endroits. La Bible ici ne nous dit pas que c'est le cas. Néanmoins, ces eaux peuvent être dangereuses. Ce que nous pouvons noter dans ce cas-là, c'est que l'élève ne cherche pas dans l'eau en elle-même ce morceau de fer, mais se tourne de suite vers celui qui les accompagne, vers le prophète lui-même. Le but de l'auteur est aussi de montrer que le prophète, l'homme de Dieu qui est là en Israël, s'occupe aussi de ce qui semble pour nous un détail et accomplit un miracle. En fait, cet élève prophète est pauvre et a dû emprunter cette hache. Souvenons-nous qu'il a mis en gage quelque chose pour cet emprunt, pardon. Or, celui-ci ne semble-t-il pas les moyens de rembourser sa dette, d'où sa détresse pour lui lorsque ce morceau de fer tombe à l'eau. Donc, la perte de cette hache est vraiment problématique. Et lorsqu'Élisée vient à son secours, on voit là une solution qui est apportée à cet homme, mais en même temps un exemple pour tous les autres qui sont présents. L'homme de Dieu est avec eux, les accompagne dans leur démarche de servir l'Éternel. Ainsi, Élisée coupe un morceau de bois, le jette au même endroit où le fer est tombé et celui-ci surnage. Certains commentateurs y voient une exagération de l'auteur. Ils pensent qu'Élisée a taillé le morceau de bois et l'a placé dans l'eau de telle sorte qu'il a réussi à l'enfoncer dans le fer et à le remonter à la surface. Mais ce serait véritablement forcer le texte et surtout refuser de reconnaître l'acte miraculeux du prophète. Et ce, même pour un simple outil. Je voudrais encourager ceux qui pensent que les détails de leur vie, comme cette hache, ce morceau de fer, les petits soucis qu'ils ont, ceux qui pensent qu'ils sont anodins et n'ont pas besoin d'être remis à Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu voit aussi ces détails, les moindres détails. Il connaît les moindres soucis, les plus petits soient-ils. Et il est en mesure d'agir en votre faveur. Car aux yeux de Dieu, rien n'est insignifiant si vous avez un cœur pour l'Éternel, si vous avez la volonté de le suivre et de le servir. Continuons notre lecture.
du verset 8 au verset 23. Et je vais séparer ces versets en trois extraits qui sont significatifs. Nous verrons cela à la fin. Versets 8 à 14, premièrement, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Ces versets s'ouvrent sur une nouvelle guerre entre la Syrie et Israël. Les noms des rois sont remplacés par ce que l'on appelle une métonymie, le roi de Syrie, le roi d'Israël, l'homme de Dieu. Restez avec moi, vous comprendrez où je veux en venir. La métonymie est une figure de style qui désigne un objet, une personne, un concept, par l'intermédiaire d'une autre chose avec un lien logique. Par exemple, la dame de fer désigne la tour Eiffel, ou le ministre de l'économie, de la défense, le premier ministre, désigne la personne qui a un prénom et un nom. Mais il désigne sa fonction. Je m'attarde sur cet élément particulier de la métonymie qui semble assez ennuyeux, en fait, mais qui est révélateur d'une sorte de flou qui se trouve dans le récit. Il est placé en arrière-plan et participe au récit lui-même pour mettre en avant les certitudes. Où est ce flou, cette idée de flou dans ce récit? Nous voyons qu'il n'y a pas de nom au début et que souvent cette métonymie est utilisée dans ces versets. Donc nous n'arrivons pas à dater précisément les événements. De plus, en arrière-plan, le livre des rois n'est pas chronologique, c'est-à-dire que des événements peuvent être racontés avant certains et après d'autres. Nous ne savons pas trop ici qui sont ce roi de Syrie ou le roi d'Israël, si nous n'avons pas suivi la lecture depuis plusieurs chapitres, en fait. Le premier est, semble-t-il, Ben-Hadad II, donc qui régnait déjà pendant celui d'Akab, et le second roi, celui d'Israël, est Joram. La seule métonymie dont nous sommes absolument sûrs, c'est celle de l'homme de Dieu. Nous savons qui est l'homme de Dieu. Et elle désigne Élisée, bien évidemment. Notons qu'il est le seul homme de Dieu présent dans nos textes, et peut-être même dans tout le royaume du Nord, en réalité. Et c'est important de le souligner. Reprenons. Ben-Hadad est à nouveau en guerre contre Israël, et projette d'envoyer son armée dans tel ou tel lieu pour défaire l'armée ennemie. Mais ses plans sont déjoués par Élisée qui les dévoile à Joram, le roi d'Israël. Même si les relations entre les deux hommes sont assez conflictuelles
nous l'avons développé dans les études précédentes, Élisée pense avant tout au peuple. Nous avons vu la situation de la petite fille juive, par exemple. Elle a été déportée, s'est retrouvée, comme beaucoup d'autres, prisonnier et loin de la terre d'Israël, avec pour conséquence un risque de déclin spirituel qui n'était déjà pas glorieux. Élisée veut ainsi éviter cela. Il œuvre au contraire, comme je le disais, à la restauration spirituelle du Nord et au retour du culte à l'Éternel. Ben-Hadad s'interroge, qui nous trahit et dévoile nos plans à l'ennemi? Lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël? Il se trouve donc dans une situation de doute, de suspicion envers ces gens, mais en même temps d'ignorance. C'est un de ses serviteurs qui lui répond qu'Élisée en est à l'origine. Mais comment celui-ci le sait-il? La Bible ne le dit pas. Et cet élément participe à cette imprécision, à ce flou dont je parlais plus tôt. Aussi, nous comprenons que le projet du roi de capturer Élisée est voué à l'échec, puisque celui-ci connaît par avance chacun de ses plans. Donc, en somme, l'action du Saint-Esprit est révélatrice pour le prophète. C'est l'Esprit qui révèle à Élisée les paroles les plus secrètes de Ben-Hadad, alors que celui-ci se trouve pourtant à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Poursuivons la lecture, versets 15 à 19. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Ben-Hadad a envoyé ses gens capturer Élisée. Au matin, elles sont aux portes de la ville, l'entourant de toutes parts. L'idée est qu'Élisée n'ait vraiment aucun moyen de s'échapper. Mais contrairement à son serviteur, celui-ci n'est pas troublé pour autant. Il ne cherche pas à s'échapper. Il est en paix et veut même la communiquer à son serviteur. Nous observons donc un retournement dans le récit, donc entre révélation et aveuglement. En effet, Élisée prie pour son serviteur pour qu'il voie au-delà de sa vue physique. Il le place sur le même plan que lui. Et celui-ci acquiert une nouvelle vision des choses et constate qu'ils ne sont pas seuls face à leurs ennemis. Ils sont eux-mêmes entourés de chars de feu et par extension entourés par la présence et la puissance de Dieu. Ce n'est pas sans rappeler le char qui avait enlevé Élisée, mais ici dans une toute autre mesure. En même temps, si le serviteur recouvre une certaine vue, ou voit sa vision changer, les Syriens, eux, sont frappés d'aveuglement au moment où Élisée prie à nouveau.
leur vision et leur compréhension de leur environnement sont rendues inefficaces, comme si qu'ils étaient dans une situation de flou total. Ils entendent un homme, ils sont là face au prophète, il est à leur portée, mais ils sont incapables de discerner que c'est lui. Ce que leur montraient leurs yeux physiques est obscurci et maintenant ils sont plongés dans une sorte d'ivresse à l'exemple des habitants de Sodome face aux deux anges envoyés par l'Éternel. Notons en arrière-plan l'efficacité des prières d'Élisée. Celui-ci les conduit 16 km au sud, à la capitale Samarie, et ne ment pas. C'est là-bas qu'ils verront à nouveau. C'est là-bas que les Syriens trouveront celui qu'ils cherchent. Poursuivons la lecture du troisième extrait, versets 20 à 23. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: Frapperai-je? Frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. À leur arrivée à Samarie, ils se rendent tous auprès de Joram. Élisée prie, et les Syriens recouvrent là la vue. Imaginez la surprise et la confusion de ces hommes. Ils étaient censés arriver à Dothan et capturer Élisée, et maintenant, là, ils sont à la capitale et sont eux-mêmes prisonniers. Ils ont parcouru 16 kilomètres sans avoir saisi le fait que Élisée était déjà avec eux. Et donc, ils sont vraiment dans ce flou total. Et lorsqu'ils arrivent à Samarie, lorsqu'Élisée prie pour eux, ce voile qui couvrait leurs yeux est ôté. Joram demande conseil au prophète. Pour la première fois, nous voyons qu'il le considère comme quelqu'un d'important, qui a de l'importance, même à ses yeux, mon père, mon père. Et le roi d'Israël reconnaît qu'il n'est pas à l'origine de cet événement. Élisée fait alors preuve d'une grande sagesse envers les prisonniers, envers le roi, et les renvoie repus et libres vers leur maître, le roi Ben-Hadad. Il avait le pouvoir de les condamner à mort. À ce moment-là, alors qu'il répondait à Joram, il aurait pu lui dire: mets-les en prison, demande une rançon, etc. Toutefois, ce n'est pas ce qu'il fera, bien au contraire. Son attitude nous montre toute la bonté et l'intégrité d'Élisée. Dès lors, Israël sera épargné et les Syriens laisseront le pays et ses habitants en paix, au moins pour un temps. Pour les Syriens, cela signifie aussi une défaite cuisante et même humiliante après les diverses incursions dans le nord du pays. Ni Élisée, ni l'armée d'Israël n'ont engagé de combat terrestre ici dans notre récit. Mais l'Éternel les a livrés entre leurs mains. Le miracle s'est accompli. C'est lui qui a, d'une certaine manière, combattu avec une victoire éclatante. Parce qu'au départ, Élisée a prié.
parce qu'il a d'une il a combattu spirituellement. Lorsque nous prions, Dieu veut aussi nous donner des victoires. À nous simplement de suivre l'exemple d'Élisée dans son intégrité. Il a été intègre et c'est pourquoi il a été exaucé. Retenons deux éléments importants dans ces versets. Ils seront pour nous une source d'enseignement. Le premier élément est la notion de révélation, d'illumination, dans le sens biblique. Face au flou, à l'aveuglement, face aux incertitudes, à la confusion, la révélation que constitue la parole de Dieu est primordiale. C'est elle qui rend la vue, c'est elle qui donne la connaissance et qui produit la paix. Elle nous permet d'agir différemment. À cet élément de la révélation s'ajoute l'attitude d'Élisée qui est soulignée par les trois extraits que nous avons lus. Premièrement, Élisée reçoit cette révélation de l'Esprit de Dieu. Ensuite, il prie avec efficacité et enfin agit avec sagesse et avec bonté, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous qui sommes les disciples de Christ, nous avons aussi accès à la révélation des Écritures et à la révélation des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes tous en mesure de les comprendre, en mesure de prier avec efficacité et d'agir avec sagesse, mais d'agir aussi avec bonté envers ceux qui vivent dans l'ignorance. Et c'est là tout l'enseignement de ce texte. Il s'agit pour le peuple exilé d'un rappel, de la révélation que Dieu lui accorde et qui est source de paix, de connaissance. Que tous ces textes puissent vraiment nous aider à laisser l'Esprit de Dieu nous transmettre sa révélation, nous transmettre sa connaissance et vivre dans cette paix parfaite face à la confusion, aux soucis de la vie. Que le Seigneur puisse vous bénir.